Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Silent où sera question des filtres dans les sections part A et part B. Alors, en quoi ça consiste? Donc déjà, le filtre, il va servir, comme son nom l'indique, à filtrer les signaux audio en provenance des oscillateurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir supprimer une partie des fréquences non désirées, si je puis dire. Le choix de la sélection de l'entrée du signal se fait ici. On a dans le Impute Select, avec le petit bouton vert, on va pouvoir choisir ce qui va être filtré, c'est-à-dire en position A, l'oscillateur A sera filtré par le filtre A, c'est-à-dire l'oscillateur A1 et A2. Soit on le met ici sur le AB, ça veut dire que les oscillateurs A1, A2 et B1, B2 seront filtrés par le filtre A. Soit rien. Le filtre sera désactivé, tout simplement. On a quatre possibilités donc, de filtre avec des courbes. On retrouve donc ici le tiré donc, qui est le bypass, c'est-à-dire le filtre est désactivé. On le retrouve ici, bypass. Ici, vous avez le premier, donc le low pass. Le low pass, c'est le pass bas. Ça veut dire qu'il va laisser passer les fréquences basses et atténuer à partir du point de cut-off, la fréquence de coupure, on va le voir juste après, il va atténuer les fréquences qui se trouvent dans les parties un peu plus aiguës. Tout dépend de là où on aura positionné la coupure de fréquence. Ensuite, vous avez ici donc le bandpass, alors qu'on appelle souvent, il est en forme de cloche, lui il est plutôt intermédiaire, c'est un filtrage qui est centré, qui va atténuer les filtres de part et d'autre du cutoff en fonction de sa position. Et enfin, nous avons le filtre, je vais en envers, le high pass, c'est-à-dire le filtre pass haut, il va atténuer les fréquences donc au-dessous, c'est-à-dire avant de la fréquence de coupure, comme l'indique la courbe ici. Alors, vous voyez qu'ici, on a 12 dB et 24 dB avec un petit interrupteur, en fait. La pente, elle va... ici, en fait, ce 12 dB ou ce 24 dB par octave, elle va permettre de jouer sur la pente, le degré d'atténuation qui va être réglé en fonction, donc pour un filtre plus ou moins intense. On va prendre un exemple. Ici, là, sur un passe-bas. J'ai mis alors sur le pass bas. Vous voyez, on a un peu plus de brillance. Là, la coupure est plus franche. Sur un pass haut. Donc en gros, ça va nous donner un filtre plus ou moins intense en fonction de ce qu'on va sélectionner. Ensuite, nous avons donc le cutoff. Alors, le cutoff, c'est la chose la plus importante. Vous voyez, quand je le bouge, on détermine une valeur de coupure à partir de combien de Hertz on souhaite que la coupure se fasse par rapport à notre courbe. Donc, c'est la fréquence de coupure de filtre. C'est lui qui va déterminer donc à partir de quelle fréquence le signal doit être atténué, en quelque sorte. Vous avez après la résonance. Donc, elle va moduler la résonance du filtre. Alors à quoi ça sert? C'est comme si on montait, on amplifiait la bande de fréquence qui se trouve de part et d'autre de la fréquence de coupure. Quand on l'utilise au maximum, on parle souvent d'auto-oscillation, c'est-à-dire que le son se génère son propre son. On va donner un exemple ici. Je ne vais pas le monter trop haut. Je vais mettre une fréquence de coupure là, 49 Hz. Vous voyez, là, on arrive dans des sons quand même beaucoup plus scintillants. On va prendre sur un low pass. Vous voyez, on apporte un peu plus de résonance d'harmonique dans le son.
Ensuite, vous avez le drive. Alors le drive, ça, c'est n'est pas forcément courant dans les filtres, hein, dans tous les synthés. Il va permettre de contrôler la saturation sonore en fonction des différentes strates du filtre, en fonction des types de filtres affectés. On va générer des harmoniques variées avec des sons soit plus chauds, soit plus aigus. Ça permet d'avoir des variantes sonores. On va prendre là par exemple sur ici le low pass. Vous voyez qu'on a différents degrés de saturation au sein même de cette fréquence. High pass. Voyez, donc ça apporte, c'est assez intéressant parce que ça apporte vraiment, ça peut apporter des harmoniques vraiment un plus à votre filtre. Moi, je trouve que ce réglage est très nuancé. En plus, il permet de tomber pile poil sur ce qu'on souhaite, sur vraiment une sonorité particulière qu'on ne retrouve pas dans les filtres, dans les autres synthés, dans les filtres des oscillateurs, on ne le retrouve pas forcément souvent. Et je trouve que ce bouton est assez intéressant pour vraiment trouver le petit truc en plus, quoi. Voilà, donc bah, c'en est tout pour cette partie filtre. Je vous donne rendez-vous pour la section suivante où on verra l'enveloppe d'amplitude. Allez, à tout de suite.